Et c'est les gens, c'est Maxian. On se retrouve encore une fois pour la suite, hein, la suite de, voilà, comme d'habitude, les animés d'automne, du coup d'automne 2019, avec ben aujourd'hui déjà mes habits trempés déjà, puisque bon, j'ai tenté d'aller chercher mon courrier dans ma boîte aux lettres, du coup logique, hein, sauf que bon, les 10 mètres ont eu raison de moi, c'est la grande, c'est la chance que j'ai, c'est d'habiter dans une région de la France où, voilà, où le temps... après septembre, enfin arrivé septembre, tant que c'est pas des pluies d'acide, ça va quoi. Mais voilà, ça attaque pas mal. Du coup, malgré tout ça, on va garder le sourire. Et pour se réchauffer, justement, transition incroyable, parler de ce premier animé aujourd'hui, qui n'est autre qu'un animé de sport, hein, une série qui apparemment compterait 48 épisodes. Je vous propose d'aller voir ça tout de suite, les amis. Je vous rappelle le concept, les gars, tout simplement. On regarde un peu les animés qui vont sortir, on voit ce qui se passe, on regarde le trailer, on discute ensemble, on en voit 2-3 par épisode, et puis voilà. Et puis voilà, tout simplement, hein, il n'y a pas d'embrouille. Du coup, pour commencer, Aïru no Sora, titre alternatif, Dream Team, ou titre original, Dream Team également, ou Aïru no Sora, je ne sais pas, je ne sais toujours pas lire. Donc apparemment, qui est d'origine, c'est donc un manga, apparemment, et il y a déjà 48 épisodes de prévu. Ce qui est quand même déjà pas mal, à n'en pas douter. Genre, Drum School Life, thème, on l'aura compris, régalinage, le basket, école, sport, tournoi. Et du coup, ce qu'on peut se demander tout de suite, et je sais pas si dans les commentaires, dans les commentaires de ma vidéo, du coup, vous allez peut-être vous poser la même question, et dans les coms tout de suite en dessous, je pense qu'il y a ça qui ont peur, peut-être... Ah, écoute, ouais, cool. Voilà, c'est ça. C'est ce qui fait peur, c'est que tu passes après Kuroko no Basket. Je parle récemment, hein. Je parle pas des... Je sais qu'il y a Slam Dunk, je crois que c'est ça, je crois que c'est Slam Dunk, l'ancien, je sais plus. Mais voilà, je parle du récent. Il y a eu Kuroko no Basket qui, je pense, on va pas se mentir, dans sa catégorie, est très très bien réussi. Franchement, c'est cool, c'est super cool. Qui a bien sûr, évidemment, on se souvient avec la génération Goldé, les 5 miracles, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça qu'ils appellent, des techniques surhumaines, des choses comme ça. Donc peut-être qu'on va peut-être avoir le droit justement à quelque chose d'un peu plus pied à terre, entre guillemets, un peu plus, voilà, un peu plus basket, un peu plus basketologie, comme dirait l'autre, et un peu moins fantasy, entre guillemets. On va le savoir tout de suite, et peut-être avec la synopsis, je propose. Mais avant ça, je vous propose de regarder si OBS enregistre bien. Il enregistre bien comme d'habitude, de toute façon. Comme à chaque fois, j'essaie de vous utiliser avec cette connerie. Du coup, complexé par sa petite taille, Sora est passionné de basket. Lorsqu'il entre en seconde, il décide naturellement d'intégrer l'équipe du lycée. Mais découvre vite que le club est le repère des pires voyous de l'école et qu'ils n'ont aucune intention de s'entraîner. L'enthousiasme sans limite de Sora pour le basket détermine à prouver que son talent dépasse son physique chétif, lui crée bientôt autant d'amis que d'ennemis. Alors effectivement, je rejoins du coup les commentaires qu'il y avait en dessous, sur ce site, qui effectivement, oui, le côté je suis trop petit et tout, rappelle un peu IQ, c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est juste ça, et c'est traité d'une autre façon? Je me permets juste de rapprocher la table, excusez-moi du coup pour l'ASMR. Du coup, on va découvrir tout simplement tout de suite avec le PV1, je vous propose de vous mater le PV1, et on voit ça ensemble. Dites-moi, du coup, pendant ce temps, hein, tout en regardant le trailer, donc en écrivant sans regarder vos touches, en êtes-vous capable? Si vous êtes un vrai, oui. Si vous êtes comme moi, non. Dites-le-moi, du coup, ce que vous pensez des animes, peut-être de sport, si vous adorez ça ou pas du tout. J'envoie, du coup, le trailer. Sera-t-il au bon son? Il a l'air de l'être. Il est up, tranquille, à droite. ここで、これから毎日バスケができるんだ。ここクズ校の男子バスケ部は過去数年間練習どころかまともな部員さえ集まっていない。勝手に練習なんかしやがったら、その場所に犬のうんこ詰めてドブに叩き込んで。見たところお世辞にもバスケ向きの体と言えんだろうに。なんでそんなにこだわる。バスケをやってる時だけは小さな僕じゃなくなる。 これは僕の翼です。
のチビは嫌いだな。なんでバスケしないんですか。諦めの悪い世間知らずは割と好きだ。俺にはバスケの才能なんかねえんだ。あの子何かやってくれそうな気がするんだ。ちっちゃくても頑張ればなんとかなると思います。アヒルの羽、飛べない鳥か。De loi, pardon. Issoni basket, y a l'image. Je pensais pas que tu peux faire un truc de loi stylé là. Bon, il y a bien eu le signe dans Senseiya, mais donc bon, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Bah, déjà, on va pas se mentir, j'ai l'impression quand même qu'il faut aimer le sport. Là, vous allez me dire bravo, Captain Obvious, mais non, mais laissez-moi vous expliquer, les gars, calmez-vous. Effectivement, oui, on sent que, enfin, moi, ce qui me donne envie de regarder cet animé, c'est qu'en tant que fan de sport, fan de basket également, là, on sait dans quoi on s'embarque, quoi. Ça va être, il va essayer de construire l'équipe. Bon, ça risque d'être à la Inazu. Enfin, attention, je parle du scénario, attends, parce que je vais dire Inazuma Eleven, vous allez crier dans tous les coins. À la Inazuma Eleven, entre guillemets, ou au début, du coup, je ne sais plus, Mark Evans, du coup, car oui, comme mon frère plus jeune regardait Gulli, je matais de temps en temps aussi les épisodes. Le mec qui cherche une excuse. Non, mais je kiffais, c'était bien. Franchement, c'était cool. Ben le gars essaie de construire une équipe, quoi. Il part de rien, il essaie de construire une équipe. Et là, ça va être ça. Et ce qui va être drôle aussi, c'est effectivement, c'est que c'est des voyous. On comprend un peu où ça va nous mener. Comment va-t-il réussir à les convaincre? En plus, il est tout petit. T'imagines bien que quand t'as un mec tout petit qui te dit allez, viens, espèce de connard. Espèce de connard qui fait 2 mètres, allez, viens jouer, viens faire du basket. Alors toi, t'as absolument pas envie, t'es. Pas d'imagine-toi la peau d'un voyou, tu vois, avec une coupe comme l'autre en banane, là. Tu le prends pas au sérieux. Oui, parce que bon, même. Voilà, même Tony Parker, qui est extrêmement petit, qui était très petit pour de la NBA, bon, bah. Quand tu le vois, bah, je sais pas, quoi, là, il a récemment été dans le Grand Prix, je crois, dans le Grand Prix de France, je crois, Formule 1, je crois, tu le voyais marcher à côté des gens, c'est un géant, le gars. Enfin, il fait pas loin d'un mètre 90, quand même, je crois. Donc imagine un petit au Japon, en plus. Parce qu'on est au Japon, donc imagine-toi un petit gars, un petit mec au Japon, donc je sais pas quelle taille il fait, mais à mon avis il doit être très petit, je pense, enfin, vraiment petit, qui dit que je veux faire du basket, bon bah voilà, ça peut être intéressant. Après, bon, c'est vrai que IQ le reprenait aussi un peu le thème, après c'est dans un sport différent, un sport IQ, le volley, quand t'as une détente phénoménale, et je dis ça comme si c'était facile, tu peux peut-être en sortir, là au basket, là il y a des... Il y a du physique, du truc, c'est très difficile, hein. Quand t'es très petit, ça va être très difficile. Encore plus, peut-être. Encore plus, c'est moins. Parce que, bon, voler, si t'as pas la détente, si t'as pas la détente exceptionnelle, à part en étant le mec qui a le maillot spécial, là, je sais plus comment il s'appelle, tu peux pas trop faire quelque chose, en fait. Mais là, il va falloir trouver des astuces, des choses comme ça. Parce que bon, même les Stephen Curry, voilà, je fais le malin, même les Stephen Curry font plus d'1m90. Donc voilà, par exemple. Donc, alors c'est des nains, donc, pour l'NBA. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment il va s'en sortir? Moi, ça m'intéresse. Il y a plus à ce côté, oui, il y a ce côté, évidemment, former une équipe. Plus de voyous, donc on imagine bien comment ça peut être drôle, tout ça. Vous voyez un peu les vannes arriver. Mais pourquoi pas? En plus, ça a l'air quand même d'avoir moins ce côté Prince of Tennis, même si j'ai vu à la fin, vous l'avez vu aussi, l'attaque de loi, là, la charge de loi. Elle me fait un peu peur, celle-là. Elle me fait vraiment très très peur. Pourquoi sont-ils toujours obligés, quand il y a une simple feinte, de dire que c'est l'attaque du dinosaure inversé? Je sais pas. Je sais pas. Mais pourquoi pas? J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Même si dans course de basket, ça fonctionnait, mais course de basket, depuis le début, on savait que le truc de base, la génération des 5 miracles, enfin, je veux dire, on le savait de... C'était le génie, les mecs, on le savait de base que si on partait sur ça. Là, ça a l'air un peu plus sérieux, et vu le propos, même si ça va être beaucoup d'humour, je pense, vu le propos, ça serait quand même intéressant qu'on reste dans du basket, entre guillemets, voilà, simple, du vrai basket, quoi, de la basketologie, si tu veux. Voilà, donc dites-moi ce que tu en penses dans les coms. Évidemment, à moins que tu sois vraiment fan de tranches de vie, de discussion, de motivation, tout ce que tu veux, et que t'aimes l'humour un peu des loubards, tout ça, ou que tu sois une jeune demoiselle qui adore regarder les persos un peu de loubard dans les animés, je verrai concrètement que vous ne soyez pas hypé du tout par cet animé, que vous passez à côté. Moi-même, je ne suis pas sûr, entre guillemets, de regarder cet animé, hein, franchement, si c'est tel genre d'animé où tu tombes dessus sur Game One. Tu tombes dessus sur Game One, tu te lances ça, tu te dis « Oh, ben, c'est cool, j'aimerais bien voir la suite, voir le match, je ne vais pas attendre une semaine le samedi matin, hop, je vais me mater du coup les épisodes. »
Ça va pas être ça, ça va être... J'aime bien, à chaque fois, je me mets des scénarios, mais c'est ça, mais c'est... Chaque animé, des fois, tu dis, il y a un scénario qui fait que je regarde. Parce que... Il n'y a pas tant que ça fait dans les animés où tu dis, celui-là, il faut que je regarde absolument. Il y en a certains, il y a des conditions, et je pense que ça peut être ces conditions-là. Du coup, dites-moi tout ça dans les coms. On va passer à la suite. La suite qui est quoi ? La suite qui est Woman Lost Ningen Shinkaku, qui est donc un film, apparemment. Cyberpunk, alors... on va voir, hein, est-ce que c'est... Est-ce que c'est un truc émo-gothique japonais ? Ou est-ce que, voilà, où est-ce qu'il y a vraiment un truc ? Donc, Woman Lost, donc ça vient du coup évidemment du Japon. Format, donc c'est un film. Origine, ça vient d'un livre apparemment. Vous savez dire comme moi. Ça sort le 29 du 10, donc de façon... donc bientôt. Donc le genre, c'est mature, mystère, science-fiction. Cyberpunk, voyage. Donc peut-être un monde un peu post-apo ou pas post-apo, mais avec des mechas, tout ça, enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, avec des bras... Enfin, arrêtons d'essayer d'imaginer les choses, lisons la synopsis. 2036, après des années de recherche, la médecine et la science sont parvenues à créer des êtres humains immortels grâce à l'utilisation de nanomachines et une technologie baptisée Shell System. Malheureusement, tout cela n'est que l'apanage des plus riches. Yozu Oba ne fait pas partie des privilégiés, mais il entreprend néanmoins un voyage en direction du quartier où vivent les élites. Il y découvre des choses aussi étranges que dérangeantes. Ah, ça m'a l'air mystérieux quand même. Alors si vraiment ils vont juste... Mais il n'y a pas gore, donc je me demande. Mais s'ils vont vraiment jusqu'au bout des choses en mode... ils découvrent vraiment des trucs horribles, des manipulations, des trucs, et que du coup, ils doivent se taper. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a des trucs stylés. On va mettre le PV, hein, les gars. Je vous mets un petit PV. Allez, c'est pour la route. Allez, on envoie le truc, du coup. On va voir ça tout de suite. Le son est bon. On envoie. Yozo, 人間はな, 失格したんだよ. ただ生きていくのが面倒くさいんすよ。とうとう見つけた。発見次第確保する。進化停止を確認しました。あなたは一度死んで蘇りました。我々。大分隊、放火開始。我々は現在の文明を守らねばならん。 Ok. Donc voilà ce genre. Donc... Très clairement, ce qui moi, je peux mentir, ce qui était voilà, ce qui attaque aux yeux forcément et qui te fait que du coup tu t'intéresses un peu moins à l'histoire, à ce qui est écrit, c'est que forcément la CGI. Elle choque quoi. Enfin, elle choque. Comme je dis pas qu'elle est mal faite. Je dis que dans le sens où effectivement tu ne vois que ça en première vue. À première vue. Du coup, je me doute bien que comme c'est un film, déjà c'est un film. Déjà les films d'animation, certains d'entre vous, je pense, ne sont pas très très fans. Ils préfèrent les séries. Plus de temps de, comment dire, de, voilà, d'apprécier les personnages. Ça prend plus son temps. Pourquoi ? C'est des arguments qui se tiennent. D'autant plus que là, ben là, en plus, c'est la CGI. Donc, des fois, dans les séries, t'as le temps de t'habituer à la CGI. Là, il n'y a que ça dans un film. Je peux comprendre que certains d'entre vous se disent déjà « Oh là, c'est pas pour moi. » Je pourrais le comprendre. Je vous cache pas qu'au vu du trailer, personnellement, ça me donne pas plus envie que ça. J'ai un peu que du CGI. Est-ce que je suis prêt à sauter le pas ? Je suis pas sûr. L'histoire a l'air cool. Mais je vous cache pas, entre guillemets, que si vous me posez la question, qu'est-ce que le trailer raconte ? Alors que là, la vitelle, c'est de la vitelle qui remonte, c'est incroyable, hein. Et je pense que je perds ma voix aussi. Ça va être le dernier, je pense, épisode de cette semaine, parce que là, je peux plus, là. Donc, je disais donc, moi, le seul mot, quand tu me dis « raconte ce qui s'est passé dans le trailer », le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est CGI. Je ne m'appelle plus de ce qu'ils disent. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je reste pensif. Je pense, moi, c'est typiquement ce film-là. Je vais attendre peut-être les réactions, les commentaires. S'il y a pas mal de personnes qui trouvent ça très, très bon, qui trouvent que l'histoire, et qui disent, par exemple, le commentaire qui pourrait me convaincre, c'est par exemple...
Oui, clairement, la CGI, ça choque un peu au début, mais au bout de 20 minutes, tu outrepasses ça, et l'histoire est super, mais ça vaut le coup, voilà, de regarder ça. Si par exemple, je vois ce commentaire 2-3 fois, que je sais pas, un influenceur le sort un truc comme ça, ok, vous m'aurez donc convaincu, j'irai le voir. Pour l'instant, je suis pas sûr que le 29 du 10, je prendrai mon ticket d'avion pour aller au Japon et me mater ce film. Est-ce qu'il y a donc des commentaires? Ouais, non, c'est ça. Plutôt tentant, ça attise ma curiosité. Oui, donc ça peut être ça. C'est vrai que c'est curieux, en effet. C'est le mec qui met... tu sens le gars pas convaincu, tu sais. C'est genre comme les profs. Tu vois, quand les profs, ils disent une réponse, enfin, ils demandent la réponse à une question, tu lèves la main... Tu dis un truc, le prof te regarde et il sait, tu vois, enfin, vous savez tous les deux ce que t'as dit, c'était de la merde, en fait, et qu'il veut pas te le dire, il fait, c'est pas faux, mais, et là, il demande à quelqu'un d'autre, tu vois, bah, c'est ça, tu vois, j'ai dit, c'est vrai que c'est tentant, non, mais je comprends que ça attire la curiosité, ça attise ma curiosité, oui, elle a tout à fait raison, Aiko-chan, elle a raison, je pense, un énième leçon du manga, mais en version turfu à voir, donc ça veut dire, chose intéressante, ça veut dire donc que ce Human Lost, donc du coup, ce livre est très connu et qu'apparemment une nouvelle adaptation, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des adaptations avant, si j'ai bien compris. Je ne connaissais pas du coup. Ah, Ningen, ça veut dire humain, je ne comprends pas. Ah bah, Human Lost, Ningen Shinkaku, ça veut dire Shinkaku, ça veut dire aussi, c'est l'équivalent de Lost, peut-être du coup, Ningen. Ouais, c'est peut-être ça, ouais, je parle dans les coms du coup. Non, mais oui, donc peut-être du coup qu'il y a d'autres adaptations. En tous les cas, pourquoi pas? Moi, j'avoue que personnellement, on n'est pas là pour mentir, je pense pas que je regarderai ce film. Voilà, honnêtement, je vous le dis. Après, dites-le-moi dans les coms, si vous êtes hypé, si vous allez le voir, si vous comptez aller le voir, dès qu'il sortira, évidemment, dans les plateformes légales. Ah non, pas douter. S'il sort dans les plateformes légales. Du coup, on va faire un petit dernier, comme ça. Voilà, histoire de faire trois trucs, parce qu'on a quand même pas mal d'animés, donc on va agrandir le truc, c'est un sacré chantier dans lequel je me suis lancé. Donc on va parler de Babylone. Donc Babylone, voilà, ça vient d'un light novel. Donc ça va parler, au niveau des genres, on est donc sur du drame, mystère, science-fiction, seinen, thriller, thème enquête. On est dans du sérieux, du noir, du... Voilà, apparemment on n'est pas là pour déconner. Donc, Amazon Prime Video. C'est sur Amazon, donc je sais pas du coup si ça va sortir tout en même temps. Ah, bah, diffusion du 7 du 10, j'arrête de montrer avec mes doigts, c'est incroyable. 7 du 10, oh, donc apparemment, peut-être que c'est une fois par semaine, je ne sais pas. En tout cas, on va lire un peu la synopsis qui m'a l'air très courte. Je pense d'ailleurs que c'est pas qu'une impression. Basé sur le roman Babylone de Mado Nozaki, que je n'ai pas lu, pourrais vous cacher. L'histoire se centre sur Zen Seisaki, un procureur du district de Tokyo. Alors qu'il enquêtait sur des actes illégaux commis par une société pharmaceutique, Seisaki tombe sur une conspiration au sujet d'une élection pour une nouvelle zone autonome établie dans l'ouest de Tokyo. Bah, ça m'a l'air cool. Ça m'a l'air badass. C'est simple, efficace. Je veux dire, il va essayer de chercher dans les petits papiers. Qu'est-ce qu'on voit dans la synopsis? Là, il y a des trucs, ça sert d'être des petits papiers, là, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que c'est, mais... On peut croire, voilà, on peut voir cette métaphore comme ça. Je ne sais pas si c'est le cas. En tous les cas, on va lancer le PV1. Ça serait en... Non, c'est du CGI encore? Ils ne font que ça ou... Non, pas possible. Bon, c'est quoi? Ça, c'est la vraie bande-annonce. Pourquoi il est marqué PV1? On va cliquer sur ça. On va prendre celle-là. Quoique... On va y aller. Memori wa sono kanwazai. Il dit évidemment abonnez-vous à la chaîne, voilà. Maxine, il est super. 2015 年、日本における15歳から29歳の死因第一位は自殺である。積極的安楽死と自殺幇助を合わせ、安楽死を法で認める国は欧州を中心に6カ国6州まで広がる。2017年、オーストラリアのビクトリア州における安楽死法可決から数日後、フィリップ・ニッツ地区医師は自殺幇助マシーン、サルコを発表。このマシーンは、苦痛なく速やかに死ぬことができる、合理的な自殺のためのものだ。自殺は果たして罪なのか？自殺を認めることは罪なのか？
Peut-être une histoire de est-ce qu'on peut tuer pour la démographie ou pas. Au niveau de la justice, comment on est au niveau des droits de l'homme. 自殺法制定。この物語はそこから始まる。Apparemment, oui, c'est une waifu. Babylon. Ok, donc c'est apparemment c'est le premier truc qui a dû sortir en mode full mystère. Maintenant, ce que je vous propose, c'est peut-être de regarder quand même le PV1 parce qu'on n'a pas d'image vraiment de l'animé. Ça serait dommage de louper ça. Mais en tout cas, c'est assez intéressant, c'est assez mystérieux. Hein, c'est... Vas-y, fais-nous rêver. Ugokura! Kyosei Sonsa o Shikko Suru! Tokyo Chiken Tokusobu da. Fumio, 今回のアグラス事件の罪状は薬機法違反です。つまりこの四大学への利益供与の証拠を見つけ出す。どうかしました？これは血の跡だ。それに爪のようなものがある。これは皮膚か？下の黒ずみ、よく見ると文字が重なってる。F ですかね？この山は何か妙だ。なるほどね。結構闇が深そうだ。いかなる時でも。わしらの戦う相手は巨悪だ。政治と金が切り離せないように、政治と色もまた。分かってますよ、そんなこと。今はこらえろ、奴らを必ず仕留めるために。あれは清崎さんにとって検事の仕事って、正義と人を守ることだ。Alors les gars, franchement, pour tout vous dire, j'étais tellement à fond dans le trailer que j'en ai oublié que je tournais la vidéo. J'ai failli, je sais pas, me poser un peu mieux, Il y a ce côté, il y a quand même, même si je suis naturel quand je tourne la vidéo, il y a un côté, voilà, forcément, pour ceux qui tournent des vidéos, ils savent ce que c'est. Forcément, tu réfléchis notamment à tout ce qui est gros mots, choses comme ça. J'avoue que j'ai failli dire lâcher des « oh punaise », et trucs comme ça. Et parce qu'effectivement, c'était intéressant, quoi. Ça a l'air super dark, évidemment. Non, mais avec ce qui m'ont convaincu, là où ça m'a convaincu, c'est l'histoire de la feuille. Là. Déjà, quand ils tirent en deux là pour avec cette espèce de F, là, franchement, ça a l'air super stylé, couplé évidemment. Du coup, à la bande annonce, enfin la première qu'on avait vue. Ça a l'air vachement mystérieux, vachement sympa, et tout ce qui est enquête, moi j'aime bien ça. Je sais pas si vous, c'est votre type d'animé, ou bah, même genre, hein, pas d'animé, genre tout simplement. Est-ce que vous aimez tout ce qui est policier, choses comme ça? En plus, c'est dans le complot politique, on n'en saura pas plus. C'est genre d'anime, c'est genre de, je pense, c'est genre d'œuvre. Avant les deux derniers épisodes, si c'est bien fait, tu sais pas. Tu sais toujours pas, t'es perdu. Enfin, tu sais, enfin, tu crois, à ce moment-là, tu crois savoir, et généralement, il y a un dernier plot twist qui te fait tout, voilà, qui baisse tout. C'est jamais comme ça que ça se passe. Mais moi, franchement, il a l'air super cool. Franchement, ça a l'air super sympa. Je me materai forcément le premier épisode. Ça sort quand? Le 7 du 10. Ah ouais, non, je me materai ça, c'est obligé. Au moins le premier épisode. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans les coms, évidemment. Et franchement, ça a l'air intéressant. Ça a l'air... limite, peut-être. J'aime bien faire des histoires, mais je pense que c'est le genre d'animé... Tu sors, c'est pas chaque semaine, tu vois. Parce que vraiment, là, tu tiendrais pas. Je pense que c'est le genre d'animé, tu te fais ça. Je sais pas, t'arrives à pas te lancer les premières semaines et tu te fais 3-4 épisodes d'un coup, tu vois. Moi, je dis, après, ça sera encore plus dur de tenir. Mais, parce que franchement, ces genres d'épisodes, je pense que ça va te tenir, je sais pas, au cœur, je sais pas, ça va te. Tu vas être à fond dedans, hein. Une fois que t'es dedans, je pense que tu lâcheras plus. Enfin, ça, c'est mon avis. Après, ça se trouve, c'est totalement nul, je ne sais pas. Mais c'est l'impression que ça me donne en tout cas. Du coup, allons voir un peu les commentaires. Voilà, déjà, il y a Tiny, voilà, qu'on ne présente plus. Moi, je rêve d'un jour, franchement, où ceux qui ont mis les coms, et si possible des coms que j'ai commentés dans ce truc-là, se reconnaissent. Ça serait stylé quand même. Ça serait vraiment stylé de ouf. Et, parce que bon, je pense pas leur faire. Je leur ai pas fait injure. Je lis leurs commentaires et j'en. Voilà. Surtout quand c'est Tiny. La vraie qui nous dit gros potentiel. Je suis absolument d'accord avec toi, Daini. C'est cool parce que du coup, c'est comme si j'avais déjà des 1500 abonnés, tu vois. Je fais encore un geste avec mes mains. J'ai 1500 abonnés et j'y réponds. Alors que c'est pas du tout pour ma vidéo, mais c'est rigolo. J'aime bien.
La nouvelle affiche est comment différente de la première? En tout cas, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Hop, direction le bloc-notes. Bah, Margot, je suis d'accord avec toi également. Hâte de voir ça, et c'est quelqu'un... Il y a même Yukizora qui a l'affût, hein. C'est-à-dire que elle est comme ça, elle est à quatre pattes comme ça, enfin, à quatre pattes. Respectons-la, je veux dire, en mode Spider-Man, tu vois, un peu sous les appuis, tu vois, hop, elle tourne autour de son ordi, jusqu'au moment où, hop, la notif, et elle saute. Genre, non, mais pourquoi pas? Je rigole. Voilà, et Erinza, je pense, c'est également il ou elle a raison. Ça a l'air d'être de la tuerie. Je suis d'accord, franchement. Je suis d'accord avec vous. Ah, ça date de 2008, les premiers trucs. Ah oui, oui, en effet, oui. Donc, annoncé depuis longtemps, hein. Bah, comme toujours. Mais non, franchement, ça a l'air super sympa. J'ai hâte de voir ça. Franchement, j'ai hâte. Ça a l'air super cool. Du coup, voilà, ça conclut un peu nos trois animés d'aujourd'hui. Donc, un petit résumé du basket. Du basket qui a l'air avec des Yakuza. Donc, qui a l'air un peu drôle, un peu fait peut-être spécialement aux fans de sport. Peut-être un peu plus qu'un Kuroko no Basket qui... pour le côté un peu technique et tout, un peu cheaté et compagnie, du coup passe peut-être un peu mieux pour même les gens qui n'aiment pas trop le sport, je sais pas, vu que moi j'aime le sport, je sais pas trop, voilà, je ne sais pas, mais, et voilà, peut-être à tenter, il y a plein d'épisodes sur Game One, je me rappelais plus de ces exemples, et en le disant, je me suis rappelé que je l'avais dit, mais voilà, sur Game One, l'après-midi, un matin, hop, tu te mets un peu ça, tu vois les matchs, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, tu skips peut-être un ou deux épisodes. Je pense que ça peut être ce type d'animé. Human Lost. La CGI, je suis pas contre, hein, mais ça m'a l'air un peu bizarre. Ça m'a l'air, je sais pas. Je vais attendre les commentaires et les avis d'autres personnes, je pense, avant de savoir. Et pour finir, Babylone. Ça a l'air comme ça. Ça a l'air d'être une petite douceur. Pas du tout, c'est du complot et tout, mais ça a l'air vraiment super sympa. Et surtout, bon, nos amis japonais... voilà, ils savent faire quand ils veulent, et c'est là le souci, quand ils veulent, ils savent nous faire des scénars de ouf. Donc, surtout, voilà, tout bon, il y a beaucoup de tout ce qui est drama et trucs comme ça, que ce soit en Corée, au Japon, même si Corée et Japonais, bon, on va pas les mélanger, parce qu'il s'est passé tout ça. Mais voilà, ils connaissent un peu les séries où il y a des complots, tout ça. Ils sont spécialistes de ça aussi, donc c'est un truc qu'ils gèrent. Donc, normalement, ils devraient gérer les complots. Ça, ils savent faire. Donc j'ai vraiment aucun doute sur le fait que ça soit cool et très sympa à regarder, du coup. Donc du coup, dites-moi ce que vous avez pensé dans les Cubs. Est-ce qu'il y a, voilà, il y a deux, trois, sur les trois, il y en a un qui vous attire plus que les autres? Est-ce que vous allez tester les trois, les deux? Qu'est-ce que vous pensez de ce film en CGI? J'attends votre réponse impatiente dans les commentaires. N'hésite pas, je l'ai pas dit dans les précédentes vidéos parce que bon, moi ça, c'est pas le but, mais si tu veux lâcher un pouce bleu ou t'abonner, bon voilà, tu peux effectivement le faire. C'est pas obligatoire, mais ça mange pas de pain. Donc si toi aussi libéré du stockage. Donc oui, donc est-ce que ma vidéo sera jusqu'au bout ou pas? On va le savoir tout de suite. On va peut-être pas du coup, on va peut-être couper court au cas où. Je vais vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, si c'est jour de Noël. De toute façon, on avait déjà tout vu ensemble. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxian. Tchuss.